lancer 4 boules. Donc 2, un tout petit peu avant la plage ferme. Les deux autres au niveau de la... Donc voilà. Alors, j'avais commencé. Par prendre le fil comme ceci. Encore, il bascule déjà moins seul. Donc ça, ce sont des fileurs que j'ai fabriqués moi-même. Donc voilà, voilà. Donc tout simplement avec du grillage. Hop. Vous prenez les deux bouts. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Vous mettez bien au milieu d'une manière à que ça soit bien centré. J'aime bien ces petits godets de tiroir ou de casier 30. Ce sont des 30 mm. Donc voilà, comme ceci. Ce qui évite. Voilà. Comme ceci. Tirez, tirez, tirez. Et voilà. Votre hameçon est monté. Également une quille carbone. Meilleure stabilité. Donc voilà. Troisième type pour l'étang. On aligne avec la fente. D'un côté. Voilà. Et voilà, cette fois-ci, on ne doit pas être trop mal. Je tiens à préciser que les styles et les plombs de chez Sansas sont du plomb mou, très pratique pour serrer sur le fil. 10 mètres, 11 mètres 50. En carbone tressé, toute la longueur également, pour supporter la canne. Ah bah oui, les silures tu... aussi. Hein. Oh non, ça va, bon, ça va aller.